t'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC, je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Meter et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3. Tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo! Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est LeOctetTou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. On va ouvrir le pot de vin, non même pas le pot de vin, le grand chelem sur Call of Duty Black Ops 3 sur le compte d'un abonné. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et surtout si cette vidéo t'a plu, et même déjà avant, défonce-moi cette barre de like, cela me fera extrêmement plaisir. Si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo, ça serait juste énorme. Donc, let's go. Je viens de débloquer le grand slam pour l'abonné. Enfin, j'ai passé la matinée dessus puisque j'avais pas grand-chose à foutre. Et j'ai passé un bon moment à souffrir sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin, bref, avant d'ouvrir tout ça, on va voir quand même les armes qu'il ne possède pas. Donc, il a la FFAR, la LV8 Basilic. Il n'a pas la MX Garand, ni la Peacekeeper, ni la M16, ni la Galil, et ni la KVK. Ça serait quand même assez intéressant qu'il débloque la KVK. Ensuite, niveau des mitraillettes, il n'a pas donc la HMX4, la PPSH, la K74U et la MSMC, donc la XMC. Ah, il a tout niveau des fusils à pompe. Il n'a pas la R70 Ajax et il n'a pas le... Si je dis pas de bêtises, c'est le RSA Interdiction. Et ensuite, niveau secondaire, bon, il lui manque le China Lake, on espère pas tomber dessus. Le Marshall, le Rift 9, le 1911 qu'il ne possède pas. Corps à corps, je pense qu'il doit lui en manquer pas mal. Ouais, donc il lui manque la clé à molette, point américain, champ de la fureur, broyeur de crâne, hache enflammée, l'exécuteur, Nunchaku, la pelle du devoir, main gauche, le tronçon point. Et puis voilà, et puis des spéciales malheureusement, aïe aïe aïe, j'ai quand même assez peur là-dessus. Même avant que la vidéo se lance, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je vais obtenir comme arme selon vous. Ça serait quand même assez intéressant de connaître votre avis là-dessus. En plus, on a plus de 300 clés de cryptage et on va directement ouvrir cela. Let's go! Ça serait quand même assez intéressant de tomber sur pas mal de bonnes armes. Et en plus, on va voir également le camouflage. Un des camouflages, un des deux. Et ça aussi également, je voulais vous en parler en vidéo parce que j'en avais pas parlé, mais c'est un peu bizarre qu'on puisse obtenir que, comment dire, un des deux camouflages. Voilà, je vais y arriver. On peut obtenir que un des deux camouflages. Et en soi, c'est un peu bête. Pourquoi on aurait droit que un des deux camouflages? Est-ce que ça veut dire qu'un autre grand chelem qui va bientôt être installé après le pot de vin? C'est quand même bizarre qu'on puisse se dire qu'on peut pas obtenir tous les camouflages sur Call of Duty Black Ops 3. Hey, let's go, let's go, let's go, let's go. Première arme DLC, Enix Shadowclaw, ça veut dire qu'on aura un... comment ça s'appelle? Un autre, un spécial en moins, ça c'est cool. Mais déjà, première arme DLC, ça c'est stylé ça. Deuxième, oh là là là, ouh, on est bien parti. Deuxième arme DLC, on est déjà à deux armes DLC. Ça c'est kiffant, c'est kiffant. Ah, par contre, une erreur est survenue. Merci de me le dire en pleine vidéo, c'est très gentil. J'ai trop tryhard le jeu. Ah non, j'ai écrit encore une troisième. Non, non, on va se calmer. Et on va se calmer. Enfin bref, on est déjà à deux armes DLC. C'est assez kiffant. C'est plutôt assez cool tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est que, ouais, en fait, on n'a pas réussi à avoir tous les camouflages sur Call of Duty Black Ops 3, puisque forcément, on a un des deux. Et je trouve ça un peu bête en fait, c'est si quelqu'un veut absolument avoir tout le multi de Call of Duty Black Ops 3, en fait il est bloqué par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas avoir et que finalement le jeu serait bloqué à 99,99%. On va dire ça comme ça, hein. J'ai pas commencé à chercher des théorèmes mathématiques là-dessus, je pense que t'as capté. Donc pour le moment on n'a pas... Bon, on a eu déjà deux armes DLC, on va pas dire qu'on n'a pas eu grand-chose. Philippe, réveille-toi à un moment donné. On peut pas tout avoir dans la vie mon cher. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on est bien parti déjà avec deux armes DLC. Ça veut dire qu'au total, quoi qu'il arrive, on aura, je lui débloquerai au moins 5 armes DLC. Au moins 5 armes DLC et peut-être avec de la chance avec les doublons. Et c'est parti! Alors, pas de doublons. Est-ce que ça serait bien qu'on tombe sur une arme DLC? Ça serait kiffant. Ça serait vraiment kiffant. Hein, parce que c'est comme ça ferait 6 armes DLC. Ah!
Non, de nouveau une Vesper à droite. On a pu voir à peu près le, comment s'appelle, comment l'armée est. Ce qui est des fois, en fait, on va dire, pas te détruit la surprise d'obtenir une arme d'essai, mais genre, tu vois le truc, tu dis, oh putain, je vais l'avoir. Et là, t'es heureux, là, t'es heureux. Ah, de nouveau une provocation. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de provocations. On va dire que sur le jeu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de provocations. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais voulu voir autrement, tu vois. Genre, par exemple, niveau provocation, j'aurais tellement kiffé sur Call of Duty Black Ops 3 voir un mec sortir les doigts d'honneur. Vraiment, ça aurait été vraiment grave, grave kiffant, quoi. Voir des doigts d'honneur, le mec, il sort les doigts d'honneur et tout, etc. Ça aurait pu être génial, ça. Black Metal, ouais, pourquoi pas, écoute. Bon, là, on n'a pas grand-chose. Ah, dommage. On a beaucoup de variantes. En soi, on dit pas non, tu vois, mais genre, je dirais pas non d'obtenir encore une autre arme DLC. Non. Il y a beaucoup de variantes, là. Allez, redonne-nous une arme DLC, là. On en veut une nouvelle. Une nouvelle. Ah, non. Razorback. En plus, j'ai vu qu'il jouait pas beaucoup Razorback, l'abonné. Ouais, parce que j'ai passé, on va dire, la matinée à jouer pour lui débloquer son grand slam. Son grand slam, ouais. Le grand slam, en fait, c'est l'équivalent au grand chelem. Hein. C'est juste qu'en anglais, ils disent grand slam. Ah non, j'avais cru au Marshall. Je vais pas mentir, j'y avais cru. Ah, dommage. Bon. On n'aura rien ici. On va de nouveau ouvrir quelques petits packs à 30. Non. Dommage. Non. Ah là là. Ah, de nouveau, rien. Pas grand chose là. On a été chanceux un peu. Deux fois de suite. Ah, le bazooka. Le genre de camouflage que t'en as tellement rien à foutre. Mais c'est vrai en plus. Hein. C'est le genre de camouflage, mais tu t'en bats vraiment les couilles. Bon. C'est parti pour le pot de vin camouflage. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je vais aller avoir selon vous. Soit le vert, soit le violet. 3, 2, 1, let's go. Ok, donc le violet. Ok, donc on a le violet. Ok, pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Et let's go pour le trio inséparable. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je vais avoir selon vous avant que ça s'ouvre et éviter de tricher en me disant les trois armes, etc. Hein. Tu as rien gagné, d'accord. Il n'y aura pas de notes sur ton semestre, mon pote. C'est juste pour te dire, ok. Allez, 3, 2, 1, je me retourne, je regarde pas. Ok. Oh oh. Ah. Je me retourne. Oh, la Peacekeeper! Oh, je lui ai débloqué la Peacekeeper! Oh, magnifique! Je lui débloque donc la Peacekeeper sur Call of Duty Black Ops 3. C'est assez stylé. Donc, je lui débloque 5 nouvelles armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3, dont la Peacekeeper. C'est stylé. T'as une bonne arme, mon pote. Je peux te dire que par rapport à d'autres grands slams que. Enfin, grands chelems que des youtubeurs ont pu avoir, comme TheBee qui a eu complètement de la merde. Mais là, au moins, t'as la Peacekeeper. Bon, après, t'as deux nouvelles armes DLC corps à corps. Ouais, pas très intéressant. C'est vrai que le champ de la fureur, je le trouve quand même assez stylé. Mais on va quand même. J'ai quand même envie de voir un truc. Ah tiens, on ouvre vite fait le petit dernier en attendant. J'aimerais bien voir comment est la Peacekeeper avec le camouflage, puisque j'ai toujours pas ouvert en fait moi avec le camouflage, c'est-à-dire que j'ai, mais je l'ai toujours pas. J'ai toujours pas ouvert. Parce que j'attends ma grand-mère, bien évidemment. Alors donc par exemple ici, on va mettre donc mitraillette. Non, c'est fusil d'assaut. Je me trompe à chaque fois. Peacekeeper. Avec le camouflage, parce que c'est vrai que je t'ai jamais vu. Il est où déjà ce camouflage? Il est où? Ah oui, c'est Feu Arcane. Ouais, il est sympa, il est sympathique. Il est assez sympa, c'est une variante en fait tout simplement de... Comment ça s'appelle? Du camouflage dragon qu'on peut avoir sur Call of Duty Black Ops 3. Et Flamme du Dragon. Ok, bon, bah écoutez. C'était quand même assez cool, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit jusqu'à la fin, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages, de partager vraiment partout la vidéo, autant que ça soit sur Twitter, sur Facebook, partout. Vous savez c'est quoi l'objectif. C'était le peut-être tout. Et puis moi je vous dis bye et à la prochaine.